Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Bonjour, bienvenue, youpi. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Vendredi à 20h à l'avant-scène, retrouvez l'ABCDR de la séduction avec Jérôme Rouget. G comme géographie du corps, H comme humour, P comme politique. Jérôme évoque les frontières entre séduction et manipulation, l'amour et le jeu. Seul en scène, il ne s'interdit pas d'incarner une star du rock ou d'esquisser quelques pas de danse. À la salle du jeu de pommes de Visil, ne manquez pas vendredi et samedi les Dauphinoises de l'impro. Un festival d'improvisation théâtrale qui réunit 4 compagnies sur 2 jours. Au total, 6 spectacles, 2 équipes et 2 improvisateurs s'affrontent sur des sujets proposés par les spectateurs. Vendredi à l'Espace Aragon, 2 comédiennes se livrent à une chorégraphie littéraire qui raconte l'alcoolisme au féminin avec les mots de Marguerite Duras. Au cœur du propos, la perte de conscience de sa propre identité. Sur scène, 2 comédiennes, 2 tables et 2 bouteilles. Igan Blarock est à la bobine vendredi. Elle est originaire du Cap en Afrique du Sud. Elle est influencée par les aspects politiques, militants et spirituels du hip-hop des années 90. Elle balance son flow depuis plus de 10 ans et aborde souvent la lumière. Elle se dépeint elle-même comme une déesse réincarnée. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.